même si maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Summer Car. Faut que je me mette en QWERTY, pas de problème. Hop. Allez, ah merde, je voulais chercher ma manette. 30 secondes. Re les amis, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc je vais chercher ma manette tranquille pour pouvoir conduire la voiture. Oh, mais attends, dis-moi ça là. Jolie celle-là, elle a pas un peu été modifiée. Donc j'ai vu qu'il y a eu pas mal de mises à jour sur le jeu en fait. Ah, il est pas là, il est trop tôt. Ah le cochon. Donc turbo diesel. Ok. Donc on va rentrer à la baraque. Hop. Donc tac. Ouais c'est bon, ça marche. Donc tac tac. Donc j'ai tout programmé à la voiture, bien sûr. À la manette parce que j'ai pas le volant actuellement. Normalement pour le rallye j'aurai le volant, mais là en gros je vais juste ce sera la scène du tuning quoi. Comme vous voyez elle tourne déjà beaucoup mieux, elle a beaucoup plus de répondants et elle consomme déjà surtout je pense moins de carburant. Donc là ce qu'on va faire, on va rentrer à la maison, on va faire la séance de tuning et puis après, donc comme vous voyez il y a toutes les améliorations, il y a le turbo et tout, le turbo, il y a le l'arceau de sécurité. J'ai un problème de chauffe, ok. J'ai un problème de chauffe. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Ah, frein à main, s'il te plaît. Donc comme je vous l'ai déjà dit, vous n'entendez rien, pas le son. GG. Espèce de bâtard là. Donc vous n'entendez pas le son du jeu. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ok. Comment on est reparti là? Non parce que tout à l'heure elle a dû chauffer un petit peu et ça lui a pas plu. You got me pitiful.
comme j'ai vu maintenant, il y a une mobilette, en gros, qui est arrivée en fait dans la dernière mise à jour qu'ils ont faite. Hop. Tac. Ah merde, c'est ça. Tac, tac. En fait, j'aurais mieux fait de la rentrer dedans. Ouais. On va faire d'abord tous les tunings extérieurs et après, donc, les tunings intérieurs. Donc, on a une petite mobilette assez sympa maintenant dans la nouvelle mise à jour qu'ils ont faite. J'ai vu ça en vidéo, ça a l'air assez cool. Donc, il y a aussi de l'essence. Et il y a même une essence spéciale juste pour ça. Donc, vraiment très sympa. Donc, on a la petite machine. Vraiment très sympa. Débridée et tout, visiblement. Et il me semble qu'elle est bien débridée quand même. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le commencement. J'ai mis... Non, j'ai mis les rallyes en plus, hein, les bons rallyes. On va commencer déjà par une chose, c'est ouvrir le capot. Tac. Et puis on va mettre ce qui se fout à l'intérieur déjà pour commencer. Hein. Parce que pourquoi pas. Et à l'extérieur en fait tout ce qui est carrosserie, tout ça. Puisqu'on peut le faire. Tac. Donc on va aller chercher la petite caisse à outils. Ça fait un moment que je ne l'ai pas prise. C'est vraiment très 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 sympa. Donc elle va être peut-être un petit peu longue cette vidéo. Mais pour moi c'est vraiment utile. Elle est vraiment super bien. J'adore ce jeu. Très très cool. Donc tac tac. En deux. Donc là, bien sûr, comme vous le savez, je suis au clavier souris, normal. Quoique. Pourquoi je fais pas tout de suite sauter, ce sera plus simple, je pense. Non, ça y est, je veux pas. Tac, donc comme ça, ce sera plus simple en fait. Voilà, on verra plus tard. Je ferai peut-être aussi une course de dragster en fait, qui n'est pas encore dispo en fait en tant que tel, mais que je vais voir pour essayer de. Attendez, hop, remettons en rouge. Non. Semblait avoir Donc j'espère que le son est bon. Par contre vous avez pas le son du jeu, voilà, comme j'allais vous le dire tout à l'heure. En gros sur l'une de mes précédentes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok. Donc, on va le virer. Et puis, je crois que c'est la seule chose qu'on va avoir à virer à l'intérieur. Tac. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis là-bas, mais... parce qu'après, je vais rentrer la voiture. Donc je sais pas par contre où c'est que j'ai foutu l'autre volant. Celui-là, je crois que c'est le premier qui est arrivé. D'ailleurs, on a une autre pièce, je crois, qu'on peut commander maintenant. Il me semble. Je vais aller voir ça d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'on a une nouvelle pièce qu'on peut commander. Je me rappelle plus de ce que c'est, mais il me semble qu'il y a une nouvelle pièce qu'on peut commander. Donc... Hop. On ira, je pense, avant le rallye, ou je sais pas quand. Parce que là on est mardi, le rallye c'est samedi. Donc on verra bien de toute façon. Je vais pas presser non plus. À part si c'est un truc qui vraiment ne m'intéresse pas, mais même si. Je ne sais pas à quoi ça sert en fait.
J'ai tout acheté. Ok, là aussi. Là aussi. Donc on achètera ça. Et puis on sera pas mal déjà. Hein? Bon, c'est pas l'argent qui me manque, parce que comme vous voyez, bon, j'ai un peu cheaté le jeu, j'ai pas mal d'argent. Voilà. Donc le 1, tac. On vient à la caisse à outils. Par contre, je sais pas où est passé. Je sais même plus ce que j'en avais fait en fait. Tac tac tac, voilà. Mais normalement je l'avais laissé dedans je crois. Non. Donc je crois qu'en fait il y a un anti-vol sur la voiture en fait, il me semble. D'après ce que je viens de voir. Hop. Donc tac. Parce que j'ai prévu un truc assez sympa en fait pour le futur en fait, et même sur My Summer Car ça pourrait être intéressant de faire ça. Ah, donc on va break fluide en plus, c'est du plan en plus. Tac, je prépare pour après. D'ailleurs j'ai soif. Bon après pour moi la saleté je m'en branle hein, perso. C'est bon, c'est trop long et c'est trop long, voilà. Après la fin et tout, je veux bien m'en occuper, mais ça pas trop. Tac tac, un petit butel, non c'est du milk, c'est pas du empty. Donc d'après ce que j'ai compris, ils ont réglé les problèmes, maintenant on peut... Ouais. Donc on va... vider, voilà ça, on va enlever les sièges, on va faire pas mal de choses, on va mettre les sièges baquets. Oh putain, je suis bon. Voilà, aller de l'autre côté et puis on va faire exactement la même chose. Mais je sais pas si je vais remettre tous les sièges en fait. Hein. Peut-être en remettre que un en fait. Ça fera que la voiture sera plus légère, un peu plus légère et un peu plus rapide. Par conséquent. Non mais eh bien, en gros c'est une pseudo farce de je pense dans le jeu, mais bon. Ouais. Donc on enlève les écrous. Voilà, tac, je sais même pas comment ça se fait que ça s'enlève tout seul. Donc il fait nuit là, non? Donc on va pas tarder à aller dormir, après on ira manger. Et après bon, on reprend. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série. Et aussi je reprends parce que je crois que j'ai encore oublié d'en parler. Que j'ai toujours pas le son du jeu, mais comme quelqu'un m'avait dit, mets le son du jeu, mais comment je le mets? Merde, je sais pas. Voilà, je réponds à ta question en direct. Si tu regardes cette vidéo, je dis merde, je ne sais pas comment faut faire. Parce que depuis le début de ma série, j'ai pas le son du jeu. Bon, je m'en suis aperçu un peu tard, c'est un fait. Mais le pire, c'est qu'en plus, la personne en question, si tu reconnais, en gros, elle m'a envoyé un message pour me dire ouais mais le son du jeu et tout ça serait plus cool, ça serait mieux. Mais le truc c'est que je pouvais pas, je sais pas comment remettre le son du jeu en fait. Je sais pas du tout. Bucket site passager, bucket driver. Donc voilà, si je sais pas comment faire, je peux pas le mettre en fait. C'est ça le problème. Hein.
Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, c'est que il n'y a que sur ce jeu où j'ai le problème de son. Le son, je l'ai dans les oreilles, hein. Le son du jeu, je l'ai dans les oreilles. Faut pas me prendre pour un con non plus, quoi. Voilà. Le son, je l'ai dans les oreilles. Le son du jeu, je l'ai dans les oreilles. Mais j'arrive pas à le mettre. Bon, j'ai pas non plus essayé des heures et des heures. Mais au départ, je pensais que ça venait du casque Bluetooth que j'avais quand j'ai tourné ma vidéo la première fois. Et en fait, non. Ça s'avère que ça venait pas de ça. Et que ça se vise pas ce truc ou c'est moi? Ah bah non, regardez, c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est juste que je ne peux pas mettre le son, je sais pas pourquoi il n'y est pas. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que je veux vous emmerder, etc. etc. Non, c'est parce que depuis le début, depuis que j'ai su que je pouvais pas mettre le son, je vous l'ai dit direct. Quand j'ai su qu'il n'y avait pas le son du jeu, qu'il y avait des problèmes et tout, je vous l'ai dit direct. Donc ça sert à de me dire, ouais, mais le son et tout, ça sera mieux. Oui, je sais que je pourrais mettre le son du jeu, oui, oui, mais voilà, je ne peux pas. Je sais pas, j'ai un bug avec le jeu. Si vous, vous savez, vous avez une solution, pourquoi ne pas m'aider? Moi, comme je vous dis, je ne sais pas du tout comment on fait. Voilà, c'est tout. C'est juste ça le problème, c'est que je ne sais pas. Donc je préfère éviter de faire le con et que après d'avoir des problèmes avec mon ordinateur, etc. etc. J'en ai déjà assez eu comme ça, j'ai pas envie d'en avoir plus. Parce que je pense que depuis que je l'ai, j'ai pas mal fait de finances dedans. Et c'est vrai que ça devient un peu dérangeant, on va dire. Comment ça se met ce truc? Attendez, j'ai vu un truc tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va aller faire dodo parce qu'il fait bien nuit. Et après, on va manger un petit bout et puis voilà. Tac. Et peut-être que pour finir, on ira faire un tour de mobilette. Mais comme je vous dis, je vous engueule pas, perso, faites comme vous voulez. Mais quand je vous dis... le pire, c'est qu'en plus, il m'a dit une fois, ouais, mais le son du jeu, ça sera mieux. Après, je lui dis, ouais, mais je sais pas, je l'ai dans les oreilles, mais je sais pas pourquoi il n'y est pas dans le jeu. Et il m'a répondu, ouais, mais le son du jeu, ça ira mieux. Ça serait mieux. Je veux bien, encore une fois, mais bon, après, si je sais pas faire, je vais pas faire. Voilà, c'est pas, il n'y a que sur ce jeu où j'ai ce problème, hein. Je vous le dis franchement, il n'y a que sur ce jeu où j'ai ce problème, que sur ce jeu, hein. Sur les autres jeux, j'ai pas de problème, sur, qu'est-ce qu'il y a d'autre, sur beaucoup de jeux, j'ai pas de problème, sur Farming Simulator, j'ai pas eu de problème, j'ai testé le jour où j'ai tourné, j'avais pas de problème, etc., etc., il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Franchement, je vous dis, je vous prends pas pour des noobs non plus, mais... Quand je vous dis que je peux pas, c'est que j'ai essayé un peu, j'ai regardé, j'ai fait des comparatifs avec d'autres jeux, j'ai essayé, j'ai tenté de faire quelque chose, mais sans succès en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas me prendre pour un noob non plus, quoi. Quand je vous dis des trucs, c'est que j'ai fait les tests, j'ai... Voilà, j'ai fait... Mais putain, mais... Voilà. J'ai fait les essais, hein. J'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai passé une semaine, bon c'est pas énorme, mais j'ai quand même passé une semaine à tourner les vidéos, quoi. Je veux pas paraître rabat-joie ou quoi que ce soit, mais j'ai passé une semaine à tourner toute la série. Donc je sais que j'avais pas trop de temps à perdre dessus et puis j'avais déjà bien avancé, on va dire. Donc voilà. Net est toujours allumé, c'est cool. Même si je pense que j'en aurais plus trop besoin. Ben, bien. Mais j'ai l'impression qu'on monte plus sur le moteur maintenant. Non, ah si, non, c'est bon. Bien. Là, on... Voilà. Bon, je sais que ce que je viens de faire, c'est un peu, entre parenthèses, stupide.
parce que là, en gros, je vais devoir enlever, remettre du liquide de refroidissement, c'est normal, parce que je vais placer ce tout nouveau radiateur flambant neuf qui va faire que mon véhicule ne chauffe plus, ne refroidit plus et tout le bordel. Donc voilà. Mais c'est un merde, voilà. Voilà, paf. Donc on repasse en deux. Non, c'est la même clé. Ouais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série. Mais surtout, évitez de me dire, parce qu'on me l'a déjà dit, mais le son du jeu. Hein. Voilà. Je veux bien être gentil, mais bon, il y a quand même des limites. Je veux pas être méchant. Hein. Sincèrement, il me l'a dit une fois, ça passe. Quand tu me dis ça, je fais... Oui, ok, si tu veux. Je veux bien mettre le son du jeu si j'y arrive, mais vu que j'y suis pas arrivé, je peux pas le mettre. Voilà. Et puis en plus, j'ai tout tourné au mois de janvier. Donc, voilà. Je veux pas paraître rabat-joie ou quoi que ce soit, mais bon. En fait, ce que je vais faire, je vais tout enlever d'un coup, en fait. En gros, je vais me faire tout l'échappement en même temps, échappement, admission, etc., etc. Ça et puis je sais pas combien de temps en fait ça va mettre, donc peut-être que je le ferai en deux vidéos, mais ça m'étonnerait, un peu moins longue, donc on verra. Si vraiment je dépasse les 40 minutes, déjà de toute façon il va y avoir quelques minutes de coupé parce que la vidéo là c'est un peu trop grand en fait. Voilà. Donc là on a enlevé pipe d'admission, pipe d'échappement qu'on va remplacer immédiatement par du flambant neuf et en plus pipi. Donc on va commencer par l'échappement normal. Où est-ce qu'il est par contre l'échappement? Ah oui, je sais où il est. Oh merde. Ah mais de toute façon c'est vrai que je l'avais sorti normalement. Et il est passé où? Où que c'est que je l'ai ramené? Parce que je sais que je l'ai sorti du camtar. Parce qu'il était dedans. On est dans la merde. Et je crois qu'il est encore dedans, mais j'en suis pas sûr. Non, ça c'est le vieux. Eh, on a le truc d'échappement qui a disparu. Ah non, il est là. Donc voilà, hop. Ah merde. Heureusement qu'il y avait la caisse. Donc voilà, on va pouvoir continuer. Hop.
on va resserrer en bas, déjà pour commencer, hein. Ben quoi que je sais pas comment je vais me démerder. Ouais, je vais peut-être même pas resserrer en bas parce que de toute façon... Non, je vais juste serrer en haut quand j'aurai remis l'admission aussi. Tac. Donc, hop, hop, hop. Donc là, par contre, ça va être un peu plus facile si je vais faire les réglages de type... réglages, en fait. De type... comment vous dire ça? De type... comment vous dire? En fait, là, je crois que j'ai déjà fini, hein, presque. Parce qu'il me reste plus que la ligne d'admission et après je crois que j'ai tout mis. Et la carrosserie. Voilà, ça c'est mis. Ça aussi. Ça aussi. Tac, tac, tac. Là c'est serré. Donc en gros il me reste plus que l'autre en bas. Puis après on est bon. Donc je vais voir ce qu'il me reste encore à mettre en tout en fait. Donc il me reste la ligne... Réellement en gros il me reste plus que la ligne d'échappement. Et Et puis on est bon après. Ouais. Je le mettrai plus tard en fait le contour. Pour l'instant je le fais surtout à l'oreille en fait. Et puis voilà. Donc on va rentrer la voiture dans le garage, normal. Ah. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Franchement, je trouve que c'est une bonne technique pour pouvoir, comment dire, fermer le capot en fait sans le fermer. Donc, hop. Ouais. En fait j'aurais mieux fait de fermer la caisse quand même avant. Tac tac tac. Donc on va entrer en mode de conduite. Tac. Donc ce qui est bien c'est que la voiture est encore chaude. Il y a un ch'touille trop de... Un ch'touille trop de gaz. Comme vous voyez on est à 15,8, on est juste à température comme il faut. Mais on fera les réglages plus tard, histoire d'être bon. Parce que sur le... Comme ça je vois à peu près ce qui est bon ou pas. Et là c'est pas bon du tout. Et je sais pas pourquoi j'ai calé. Par contre, c'est quoi ce petit... Ah oui, il n'y a pas de... Ah, oui, y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. J'avais oublié qu'il n'y avait pas du tout de liquide de refroidissement en fait. Non. Si, water... ouais. Bon, c'est pas très grave. Parce qu'on n'a pas fait des kilomètres et des kilomètres. Mais bon. Donc c'est pas très grave. Ça aurait été plus grave si on aurait voulu faire le rallye comme ça en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'en plus de tout ça, vous manquez pas grand chose en fait à pas entendre le son. C'est vrai que c'est un peu chiant d'entendre toujours ces moustiques nous tourner autour. Mais bon. Tac. Moi perso c'est ce que je trouve comme truc donc... qui est un peu chiant. Bon après ah ouais en gros ils ont tout remis à leur place parce que en fait lui il y a des trucs qu'ils ont mis à des places différentes qui m'ont changé de place parce qu'en gros la chèvre n'était pas là où elle était en gros. Ah oui merde, c'est qu'il faut d'abord ouvrir le machin. Tac. Donc voilà, on va attendre que ça se remplisse doucement. Je sais pas s'il y aura assez parce que j'ai fait... j'ai déjà rempli avant, comme vous vous rappelez, je pense, dans une précédente vidéo.
Aussi, il faudra qu'on repeinte la carrosserie, le gros de la carrosserie, on va dire. Ah, je crois qu'il est vide, le truc. Un petit, ouais. Donc, faut savoir que une à peu près un bidon de liquide de refroidissement fait un plein et demi de liquide de refroidissement. Donc c'est bon à savoir, c'est une bonne chose à savoir. Si vous devez jouer au jeu aussi, c'est une bonne chose à savoir que en gros il faut un bidon pour faire un plein et demi. Donc ce qui fait que si vous en achetez 4, vous avez quand même une petite marge. Par contre, le plus chiant en fait c'est les liquides de frein. Mais vu que je touche pas au frein, ou j'évite d'y toucher en tout cas, parce que c'est un peu chiant à machiner. Je sais que dans ma partie personnelle, j'avais eu du mal. Mais aussi, j'avais un petit pépin en quelque sorte. Parce que fallait que... en gros, je... Comment vous dire ça? J'ai un petit pépin parce que... comment dire? En gros, je ne pouvais pas faire certaines choses. Et puis voilà. Donc on va aller dessous, on va commencer par enlever la ligne d'échappement. Et puis après, d'ailleurs je suis vraiment au bord là. C'est hardcore comment je suis au bord. Donc voilà, tac tac tac. Ah, je suis vraiment vraiment au bord. Et je me demande même s'il faudrait pas que je la bouge un peu. Parce que là, je vois même pas la ligne d'échappement. Ah si, un petit peu là. Alors, où est-ce qu'il y avait la vis? Je suppose que j'ai pas le bon... J'ai pas le bon truc. Voilà. Ok, et il me semble que c'est le même parti. Voilà, ok, donc il n'y a qu'une vis qui tient de partout, donc on va se mettre, on va essayer de se mettre vite fait la petite ligne d'échappement vite fait à la bien pour pouvoir se finir cette vidéo. J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue non plus. Je pense que la ligne d'échappement c'est ce qui va être le plus chiant. Après, si je trouve tout de suite, ah bah, je crois que oui, j'ai trouvé tout de suite, voilà, c'est fait. Donc voilà, en fait au final, c'est vite fait. Hein. Tac tac tac. Est-ce que... Oui, c'est les mêmes. Donc voilà, tac tac. On va aller poser l'autre partie et puis après on va pouvoir ressortir la voiture. Voilà, pour... Je vous ferai peut-être un autre épisode vite fait pour... il va durer quoi, 5 minutes maximum pour la carrosserie. Parce que je vais pas faire grand chose, mais voilà. En gros, carrosserie et peinture. Ouais, re-carrosserie, re-peinture. What the fuck? Allez, dégage de là, toi. Aïe, oh merde, quel con. Donc voilà. Donc tac tac, là on est bon. Aïe, la voiture est à moitié dans le trou. Bon bah on va essayer de se sortir ça de là. Hein. Merde, quel con. Moi c'est ça que je voulais. Tac. Donc on va sortir la voiture de là-dedans et puis on sera pas mal. On fera tous les réglages dans... parce que... Ah, au pire, on fera dans la prochaine vidéo. Ok. J'arrive plus à fermer la porte. C'est pas mal. Donc on va... reculer un peu.
Donc là on est bon. Ok, j'ai un problème de porte. On a un problème, chef. Bon. Ah ouais, on a un gros problème. C'est que j'ai un gros lag. Ouais. C'est quoi pour taper? Un peu plus casser le pare-brise comme ça là. Non, c'est pas... Voilà. Donc, bien sûr, je le réparerai. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo parce que voilà, j'ai fait une connerie. Et maintenant, faut que je me sorte de là-dedans. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Voiture remise à neuf et tout. Dehors, par contre. Je vais la sortir avec la camionnette et puis on se retrouvera dans un prochain épisode. Encore un autre spécial tuning en quelque sorte. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.